Caloc à tout. Hein? Là, c'est couché là à terre, on sait pas trop pourquoi. Tombé fatigué d'un coup. Tourlou. Bon après-midi. Faut que je parle pour qu'elle se réveille. Tanan! Salut, cocotte! J'espère que vous allez bien. On est samedi le 13 juillet. Puis, c'est ça, ce matin, ça a commencé. On a plein de café sur la galerie. Katia voulait tout de suite sortir dehors, on suivait, c'était drôle. Après ça, on a embarqué dans le spa. On a dit, tiens, on va aller dans le spa. Fait qu'on a resté longtemps dans le spa. Puis, Katia était tellement heureuse à patauger dans l'eau. Fait qu'après ça, on est rentrés, on a habillé Katia, j'étais allée prendre la douche, je me suis habillée. Puis là, c'est Sap et John qui ont arrivé. Sap et John, aujourd'hui, ils fêtent leur 9e anniversaire de rencontre. Ça fait 9 ans, 9 ans qu'ils sont ensemble, dans le fond. Ça va vite, hein? Puis là, c'est ça. Ben, hier, il avait été souper pour fêter ça. Il avait été souper les autres hier pour fêter ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête à mon neveu, Charles-Antoine. Puis ils vont avec lui pour sa fête, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait ça hier soir. Là, il est à peu près 1h20. Ben là, Katia Manet s'est endormie à terre, je vous le montrais, là. Elle s'est endormie à terre. Puis là, on a réussi à la mettre dans son lit, puis elle continue à dormir dans son lit. Fait que, puis elle a bien dormi cette nuit. Fait que je sais pas si c'est parce qu'elle a ses règles, qu'elle peut se fatiguer ou quoi. Mais là, je sais pas pourquoi elle est fatiguée de même. Elle mange toujours pas, mais elle prend ses pédiatures. En masse, on n'a pas trop pour ça, au moins. Puis elle mange du fromage. Là, Lucas, lui, est parti jouer avec Sam, John, Nick. C'est une nouvelle affaire que je connais pas. Là. Je ne sortais même pas le nom. Après, je demande à Lucas qu'il vous le dise. Mais il paraît que c'est vraiment le fun. C'est un mélange de ping-pong, de badminton, puis de tennis, il paraît. Le jeu, mais là, je ne me rappelle pas du nom. À part ça, ben là, je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui. Là, mon chum est toujours de laver tous les planchers. Moi, j'ai fait mon lavage. J'ai lavé des vitres, des miroirs. On a fait un petit rôle de ménage. Puis c'est ça. C'est ça, en gros, à date. Puis c'est ça. On sait pas ce qu'on fait encore. Fait que je vous parle plus tard. Bye! Bon, qu'as-tu réveillé? Ça fait un petit repas. T'étais fatiguée. Ouais, t'es pas du mal. Belle fifille. Ouais. Belle fifille. Ouais. Là, ben, c'est ça, son volage est encore démanché, comme vous pouvez voir. Là, je sais pas ce qu'on va falloir faire, puis là, ça a brisé le plafond. Bibi, bibi. Katia. Bon, trop hâte. La bonne nouvelle, c'est que mon chum a loué un bateau pour demain après-midi de 1h à 5. Il a loué pour 4h, puis celui qui a vraiment chauffé tout, là, parce qu'il avait fait son permis, sa mère avait donné 100 cadeaux. Fait que je pense que c'est à l'Hamilton. Ça va être cool. Et allons se boire en plus. Allô, Kato! Allô, la belle fille! On est venu au IGA! Parce que papa était allé acheter du steak! On va manger du steak sur le barbecue! Ouais! Bon matin! J'espère que vous allez bien! Ici, ça va! On est dimanche le 14 juillet! Déjà la mi-juillet! C'est pas trop comme ça passe vite! Là, il est à peu près 10h. Un matin en douceur. Il fait beau, il fait chaud. Là, on va prendre notre café. Puis, ben, on va se préparer pour aller en bateau. Faut être là à midi et quart, je pense. Puis, c'est à Lambton. Fait que c'est ça. C'est ça la, comment la journée se déroule pour là.
sécurité. Donc, s'il vous plaît, respectez les consignes nazies. Lorsque votre contrat de location est signé, c'est la personne responsable de la machine. Kato, tu vas faire du bâton, Kato? Katia? Tu es en train de faire du bâton? Ah. Oh, il y a des chèques partout. Allô, Kato? Oh, Kato! Thank you.
octobre. Oui. Mm-hmm. On est revenus de notre après-midi bateau. Mm-hmm. C'était vraiment le fun. Vraiment, vraiment. Il manquait Nick parce qu'il y avait d'autres choses de prévues. Mais Katia avait aimé ça, là. Elle était tellement fine, tellement fine, tellement fine. Ah, fait que ça a été le fun. Vraiment, on a eu la belle journée pour ça. Ça a bien été. Mon chum, c'est la première fois qu'il conduisait un bateau, le ponton. Ça a super bien été. Fait que c'est vraiment une belle après-midi. Pour vrai, là, on était toutes contentes. Si on a mangé, on a soupé à la marina. On a soupé là au resto. Puis, ben, c'est ça. La journée se termine ici. Fait que je vous dis bye. À demain! Bonne journée! À la belle fifi! Ouais! On a donné tes médicaments! On était fine en bateau! Vraiment fine!